Alors, je fais une petite vidéo juste pour un petit haul. Vous allez voir, c'est assez rapide. J'étais avec une copine au salon des loisirs créatifs de Compiègne, en fait, enfin à Margny-les-Compiègne exactement dans l'Oise. On a été donc le dimanche matin. C'était super agréable, pas trop de monde, pas mal de stands pour franchement la province, comme il y en a qui dirait. C'est vraiment sympathique. Bon, c'était les loisirs créatifs, il y avait de tout. Du scrap, du quilling, de la broderie, du. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La couture, du tissu, du diamond painting. Franchement, il y avait un peu de tout. Tout ce qui était boutons aussi, mercerie, c'était vraiment très très beau. Voilà, donc, je sais pas, il y avait entre 20 et 30 stands. Ouais, à peu près, je pourrais pas vous dire. On a mis plus de 2 heures, voilà, à faire le tour, à regarder, à flâner et à acheter des petites choses. Et franchement, c'était sympathique. Bon, le seul hic, petit hic, voilà, c'est que l'entrée est à 5 euros. Et voilà. Il y en a beaucoup quand c'est entre guillemets en province, tout ça, c'est gratuit. Bon, après, c'était dans une belle salle, donc je pense que c'est voilà, c'était aussi pour ça. Mais voilà, ça fait passer une partie de son dimanche et son dimanche matin. On s'est promené, donc franchement, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas plus dérangé. Mais c'est vrai que la semaine prochaine, il y a un salon comme ça dans la Somme, et voilà, l'entrée elle est gratuite, mais bon, c'est pas du tout les mêmes entreprises. Là, et ceux qui sont là ne viendront pas de toute façon la semaine prochaine. C'est pas les mêmes entreprises. Et puis l'autre, c'est que du scrapbooking. C'est pas du tout la même salle ni la structure. Et c'est une association qui fait. Voilà, c'est différent. Mais franchement, voilà, c'est différent. Je trouve ça vraiment très sympa. S'ils refont l'année prochaine, j'espère, parce que ça peut être vraiment sympa. C'est à côté. Un ou deux ateliers avec. Voilà, ça pourrait être sympa aussi. Ça manquait, voilà. Et on démarre, voilà, on va démarrer tout de suite avec le premier stand qui est Simply Graphic. Donc voilà, donc je disais que voilà, donc là j'ai juste pris ça parce que ce qui m'intéressait, ils ne l'avaient pas, parce qu'ils peuvent pas avoir tout sur les stands, ce qu'ils vendent aussi également en ligne, Simply Graphic. Mais voilà, noir, j'avais jamais vu, et en uni, ça peut être super sympa. Et puis en faisant un peu un effet marbré avec du blanc ou du gris clair, ça peut être sympa. Donc du coup j'ai pris ça et je crois que c'était. Je sais plus, je n'ai pas le ticket. Parce que j'ai dit 3,90. Ah bah je l'ai, okay. C'est le seul que j'ai. 3,90. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça chez Simply Graphic. Alors après, je suis allée à l'univers du scrap. On va commencer par ça. Je crois que ça valait vraiment le coup. J'en ai pris que 4, mais ça valait vraiment le coup. Hop. Il y en a qui est coincé. Hop là. Ce sont des coins en fait pour les albums et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment beaux. Donc c'était 25 centimes l'unité, donc 1 euro les 4. Donc je crois que ça valait vraiment le coup. Voilà. Un peu. Strié comme ça, je crois que ça faisait hyper masculin pour un album, donc je vais mettre de côté parce que là j'ai pas d'album masculin en cours, mais voilà, ça peut être une idée pour le futur album. Là on est sur un, mais pas du tout, il est plutôt aux vacances. Donc j'ai pris ça, j'ai pris le Dies Mo et le Dies pour Tour du Bonheur. Il y en avait vraiment des super super sympas, donc ça c'était donc 9,95. C'était vraiment super sympa. Il y avait des mots qui étaient vraiment bien. Celui qu'ils n'avaient pas sur place, mais que j'avais déjà vu sur leur site, c'était le bon anniversaire qui peut être vraiment pas mal aussi. Donc bon, bah, on verra. Parce que eux, je les retrouve. Ils seront à version scrap. Parce que j'ai un peu regardé les stands qui étaient aussi. Donc voilà, mais ça je trouvais ça. Enfin, moi je trouve ça joli. En plus, on peut mettre en relief ou avec du papier au-dessus un peu plus épais ou celui du dessous un peu plus épais. Voilà. Bref, je trouve ça voilà, super sympa que ce soit sur une carte, sur un midi, sur un mini, sur un album. C'est pas mal. J'aime beaucoup cette marque Univers Scrap. Et j'ai pris ça donc à la base. J'ai craqué sur celui-là. Bonheur. Voilà, vous le voyez peut-être mieux comme ça. Voilà, c'est les mots en fait bonheur, 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 bonheur tout autour.
Et je me disais que sur la couverture d'album avec une photo, ça faisait simple. Mais franchement, ça faisait assez classe. Et j'hésitais entre deux, donc j'ai pris les deux. Voilà, pourquoi hésiter? Dans mes souvenirs, je sais plus. Est-ce que le ticket, c'est celui-là ou pas? 3,95. 3,95, donc bonheur et famille. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ces deux-là. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Après, il y avait d'autres mots, hein. Il y avait photos, ou je sais plus, enfin, il faudra regarder sur leur site, mais il y avait des trucs qui étaient vraiment pas mal. Là, c'était deux qui me, entre guillemets, qui me titillaient. Il y a une autre petite chose que je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour un cadeau. Donc là, comme je vais me mettre en ligne, elle ne l'aura pas encore, donc elle aura déjà vu ma vidéo. Donc je ne peux pas vous le mettre. Après, j'ai découvert Marie-Hélène Geffray. Donc c'est, je ne connaissais pas. Donc, je la connaissais pas. Elle fait peut-être d'autres salons, mais j'ai jamais rien acheté. Je ne connaissais pas. Alors déjà en cadeau, je trouvais sympa. Vous achetez un petit truc, vous prenez un petit patch comme ça. Donc on choisit en plus ce qu'on veut. Donc moi j'ai pris Petit Bonheur en jaune et blanc comme ça. Voilà, donc ça c'était le cadeau. En tampon, donc là c'est 9 euros. J'ai pris les tampons. Comment ça s'appelle? Des trop stylés. Donc style de ouf, cool, wesh, flemme. Je dis ça, je dis rien, t'inquiète, au calme, grave. Je dis ça, je dis rien. Dar, t'inquiète, voilà, enfin. Je trouvais que c'était, voilà, quand on a des cartes d'ado à faire, je trouvais ça sympa. Et le je dis ça, je dis rien, vraiment, je le trouvais top. Donc voilà, donc 9 euros, donc ça c'est pareil, c'est une créatrice, donc Marie-Hélène. Et elle crée elle-même, en fait, ses designs, en fait. Et donc, vraiment, je trouve ça sympa. Et là, j'ai craqué pour ce die. C'est un die unique. Donc, en fait, c'est marqué famille. Bon, là, vous voyez pas, c'est à l'envers. Et l'écriture est vraiment magnifique et tout, avec un fond derrière. C'est vraiment joli. Donc, ça, c'est 10 euros. Et elle fait vraiment. Bon, elle a d'autres mots que famille. Là, c'est celui-là qui me plaisait vraiment. Parce que sur une page ou voilà, ou dans un mini, je trouvais ça vraiment magnifique sur la. Sur la première, enfin sur la page de couverture. Vraiment très très beau. Et son logo est vraiment très très joli. Joli. Et puis les personnes sur le stand étaient vraiment très très gentilles. Elles étaient deux, elles étaient gentilles, discrètes. Et puis c'est très. C'est un peu comme Simply Graphic, c'est un peu ce que j'aime, très épuré. Ça fait classe. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est un peu le style voilà, que j'aime. Donc après, celui-là, je peux pas montrer, donc je mettrai plus tard. Et après, je suis allée chez Cat en Scrap. Et Cat en Scrap, j'ai craqué donc, pour deux tampons. Et puis une matrice. Donc le premier tampon, donc l'amitié est précieuse. Avec la vie sans amis, c'est comme des tartines sans Nutella. Amitié, toi et moi, la vie est plus belle avec des amis. L'amitié est le trésor le plus précieux. Enfin voilà, amitié est précieuse. Keep calm, call our best friend. La vie est en rose, ces petits moments qui n'appartiennent qu'à nous. Week-end entre copines, complicité, la définition de l'amitié. Enfin voilà. Ça, je trouvais que c'était vraiment pas mal. J'ai pas le ticket, donc je pourrais pas vous dire. Je l'ai pas. Mais ça, dans mes souvenirs, c'était 11 euros, 11,50 euros pour moi. Pour moi, à vérifier, mais c'est à peu près ces eaux-là. J'ai pris celui-là. Et là, j'ai pris un ensemble. En fait, la matrice carte à tourner. Voilà, pour faire des cartes à tourner plus facilement. Voilà, je vais vous dire ça. Et puis j'ai pris les tampons qui sont coordonnés, qui sont voilà, qui vont ici en fait. Et là, j'ai mis que cette journée soit. Et il y avait aussi tout ce qui est fête, donc bonne année, joyeux Noël, voilà. Et là, je suis plus sur le classique, voilà. Un peu plus classique. Et franchement, et donc il y a même un pochoir pour positionner vos tampons. Et donc c'est marqué, les tampons sont fabriqués, donc sont créés par eux, mais sont fabriqués en Angleterre, et les matrices sont fabriquées aux États-Unis. Mais c'est eux qui créent en fait les designs. Et j'aime beaucoup leur packaging. Bon, eux, je connais. Je connais, j'ai déjà fait des commandes sur internet, j'ai déjà acheté dans les salons. Et j'aime vraiment beaucoup cette marque. Voilà. Donc vous voyez, dessiné par Cathy. Et ils sont vraiment, vraiment très gentils. À chaque fois sur les salons, ouais, ils sont vraiment sympas. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur le salon. Après, j'ai pas fait des folies non plus parce que voilà, j'ai mon petit budget, mon petit porte-monnaie. Au mois, et la semaine prochaine, je vais à un petit salon à côté d'Amiens, donc j'ai préféré. Voilà, on a divisé en deux. Puis la semaine prochaine, en plus, on a une crop, donc voilà.
Mais voilà, je me suis fait plaisir. Je m'attendais pas à acheter autant, j'avoue. Ceux-là, je les avais repérés et je savais que sur un salon, j'achèterais. Ça, c'est une découverte. Ça et ça, j'avais pas vu, c'est une découverte. Ça, c'est pareil, c'est une découverte. Ça, bah, du coup, c'était le prix qui a fait que. Ça, c'est parce que j'avais jamais vu cette couleur et je la trouvais vraiment magnifique. Elle fait un peu. C'est un peu. Pas pailleté, mais vous voyez, un peu nacré, le noir. Je trouvais que c'était joli. Donc voilà, c'est des petites. Et puis après, ce que j'ai acheté là, c'est pour un cadeau. Donc, je vous montre. Hop, hop. Et donc, voilà pour ma petite vidéo et mon petit haul du salon loisirs créatifs de Compiègne. Et moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!